Dans ces bassins d'épuration, on cultive des orties sur des eaux usées. Depuis plusieurs mois, ces plantes ont poussé en absorbant les micropolluants et les agents pathogènes. La commune s'est lancée dans cette expérimentation progressivement à partir de 2019. Il faut essayer de préserver l'eau, de refaire de l'eau propre et de pouvoir la garder. L'idée, c'est quand même de mettre tous les bassins complets en ortie pour dépolluer plus cette eau. Objectif, concevoir la station d'épuration du futur en cultivant des plantes capables de filtrer les eaux usées. Une fois récoltée, elle peut être valorisée sous forme de purin. Les stations d'épuration actuelles consomment de l'énergie et nous, le procédé économise l'énergie. On consomme moins d'énergie pour traiter les eaux de façon naturelle. Débuté en 2021, le projet Holozitech se donne 10 ans pour développer une filière complète pour un nouveau traitement des eaux usées.